Oui. Bonjour à tous, Denis Mère pour Cinémaniacs, soyez bienvenus. Là aujourd'hui, j'utilise un nouveau logiciel afin de faire les directs de Cinémaniacs, donc il se peut que je cause quelques petites erreurs durant le show. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shin Matt Rider, que j'ai eu l'occasion de regarder sur Amazon Prime Video, et si j'ai eu le petit l'information que c'était disponible là, c'est grâce à Sarah Cypher. Cypher, Stéphane? Oui, Stéphane. Et qui en a été voir ça au Festival Fantasia de Montréal. Puis là, quand j'ai fait « Ah, regardons ça, c'est sur Amazon Prime », j'ai été voir, puis j'ai eu ça. Je vais vous parler aussi également avec ma régisseuse Isabelle. Ça va, Isa? Oui, toi? On a, en passant, c'est pour Isabelle. Et voilà. Hein? C'est pas beau, ça. Non, mais c'est un accueil. OK. Je sais pas si on a entendu sur la vidéo, parce que Stéphane n'écoute pas la vidéo. Mais Stéphane, t'es à côté, mais il va apparaître très bientôt. Il n'est peut-être pas marqué encore de le... Embarque dans le chat. Là. Stéphane est gêné. Là, tu ferais voir les commentaires. Habille-toi ça en même temps, Stéphane. Ouais. Mets tes culottes. Mets tes culottes. Écoutez, c'est ça, je vais parler aussi de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, où est-ce que moi et Isa, on a eu la chance de voir le film hier matin avec un paquet de jeunes. Là, il y a un backfeed. C'est ça. fait que c'est ça, je vais parler. Bon, baisse l'action! On a le plaisir de pouvoir parler de ce film-là. Et puis, je vais offrir, si vous laissez des commentaires. Il faudrait voir les commentaires. Ouais, ben c'est ça. Ah, il y a Ben Vincent Rock qui nous dit « What's up, les poules? Salut, mon coq, ça va? » Pierre Girard qui dit « Wow, quelle belle intro, c'est maniaque, cet abonnement fait déjà depuis plusieurs semaines. » Merci beaucoup, Pierre. Benoît qui fait « Clap, clap, clap. » T'as entendu le « Clap, 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 hein, ah, c'est ben ça? » Ah, c'est bien, merci. Ben, merci. On est là pour toi. Regarde, ben, juste pour toi juste encore. Juste pour toi. Et voilà. Et Mimi Bernier qui dit bonsoir. Bonsoir, Mimi. Ça, je vais offrir deux codes numériques pour Transformers Rise of the Beast. Comment participer au tirage? Je vais dorénavant faire plus les challenges ici lors des directs. Manque de temps, transfert de mon emploi, la famille, tout ça. Et lors de nos directs, on va offrir des concours pour les tirages à travers les commentaires. Donc, que ce soit que vous soyez sur la page Facebook de Cinémaniacs ou sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs, je vous invite à laisser un commentaire. Et tous les gens qui inscrivent le mot « Unicron ». Comment s'écrit « Unicron » Je vais vous l'écrire, attendez un petit peu. « Unicron ».« Unicron ». Je vais écrire ça ici. Je vais écrire exactement ce qu'il faut faire. Inscrire Unicron en commentaire pour le tirage. Un des deux codes numériques pour Transformers. On va ça TF7. Hein. Et voilà. On va mettre ça ici. Vous devrez voir ça sur YouTube et sur Facebook en même temps. C'est la beauté du nouveau logiciel. J'ai décidé d'utiliser StreamYard pour pouvoir utiliser simultanément. Donc, c'est un peu un logiciel qui fait tout ce que OBS faisait avant. Donc, juste une place, les commentaires tout au même endroit. Ça, c'est bien. C'est tous les commentaires et puis, sont en même place. Regarde, on peut même faire ça. Regarde, Ben. On voit ton petit commentaire apparaître avec ton petit avatar. C'est-tu pas cute, ça? Regarde, Mimi. Mimi qui dit bonsoir, ben bonsoir Mimi. Et puis Pierre qui nous dit, tiens, on va leur laisser un petit peu de flash. T'es, Pierre qui dit, wow, quel bel intro, Spenex. Absolument. Oh, c'est pas cute, ça. C'est hein? Cool, ça. On va vous donner un peu de visibilité. Fait que si vous participez, regardez, on va vous l'écrire. Regardez. Mimi qui dit, Unicron, c'est beau, ça. Et voilà ouais, un tirage. Pierre aussi, j'ai vu Pierre passer, Unicron.
Et Pierre qui a écrit aussi Unicron. Donc, on en a deux. Moi, ce que je vais vous demander, c'est aller chercher du monde. Allez chercher du monde. Parce que nous, comme je vous dis à chaque semaine, plus on a de gens qui participent, plus on a des concours à vous offrir. Là, j'ai deux codes numériques, mais dimanche prochain, j'ai un lot de prix, un price pack qui inclut un haut-parleur, un chargeur, un T-shirt, mais c'est un T-shirt, comment on appelle ça? Une camisole, on va dire, pas de manche, ouais. Une affiche, un poster en bon québécois, et un autre code numérique pour Transformers Rise of the Beast. C'est un lot de prix complet qui est offert par les gens de Paramount Home Entertainment, et ils nous offrent ça parce qu'ils voient qu'il y a plusieurs personnes qui suivent Cinemaniacs. Donc, comme je vous dis toujours, plus on est de gens qui communiquent ensemble les dimanches soirs en direct et à travers la page Facebook, Instagram, Threads, Twitter, YouTube, nommez-les, plus on a de gens, plus on a de fun. Et je vous dis tout de suite, je vais marquer vite un mot-clé, vous allez comprendre. Le prochain concours, ça vient très bientôt. Ask X, on va avoir des codes numériques. Je pense que je devrais avoir 4 ou 5 codes numériques pour avoir le film gratuitement en concours pour le 10e film de Family, la famille Toretto. Family. Oui, c'est ça, les gens d'Universal. Ils devraient renommer le film Family. Family X. Et puis, vous allez voir, il va y avoir des petits changements aussi. Bon, je vais juste cacher ça ici. Il va me falloir quelqu'un qui va gérer ça un moment donné. Super pour le collectionneur. Oui, en effet, Pierre. Stéphane qui va embarquer dans la discussion. Attends un petit peu, je vais le mettre ici vite, là. Cliquez bien ça. Et voilà, Steph, tu devrais être là. Salut, Steph. Allô, excusez, compagnie. OK, là, ton son est. Mon son est ici. Est-ce que tu m'entends? Oui, t'es juste trop proche de moi. J'ai un double feed. Et c'est ça, je disais. Hey, on vous amène. Mais on va faire un tour dans la salle de bain. On régle ça. C'est très intime chez nous. Ben oui. Hein? On partage tout. Venez-vous-en. All right. On va aller dans la chambre, à place. Oui, dans la chambre, non. Steph. Non, check ça, gagne. Mais... Oups, on le met le mien. Il y a bien ça. Ça paraîtra même pas, ça a de l'air. Attends que je chape pomme de douche. On est correct. All right. On t'en veut juste. Non, le pire, c'est que je t'entends pareil. Ben oui, mais là. Oui, sérieux, serait mieux dans la chambre. Okay, non, mais dans la chambre des filles, dans celle-là. Demande dans la chambre des filles, ici, là. La chambre des filles, dans le fond. Pas de cachet dans le fond. OK. On va vous présenter Léo. Ou dehors, sur le balcon, t'as le choix. Ben, c'est un studio mobile. On fait des tests ce soir. On fait des tests. Ah! OK. Donc, il y a la lumière bleue dans la chambre. Ah oui, tu vas triper là-dedans. Là. Ferme la porte là. Ben oui, avec Léo. All right, Léo. C'est bleu, j'aime ça. All right. Ah, il y a de la lumière bleue pour vrai. Pas saignant, OK? Oh boy. All right, on est correct. Moi, je vais vous parler de Shin Mask Rider et je vais vous parler aussi de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem et je vais vous offrir le concours pour les deux codes numériques. Donc, je répète, si vous voulez participer, amenez des gens au show en direct, là. Amenez des amis, ça, partagez, puis amenez des gens pour participer. On aimerait ça au moins avoir 10 à 20 personnes lorsqu'on fait des directs pour pouvoir vous offrir des cadeaux. D'accord? On commence par quoi? Steph, tu veux-tu commencer? T'as-tu un sujet que tu voulais? C'est déprimant, mon sujet. Commence donc. Dites quoi d'intéressant, puis après... TNT. On... Tu te comportes okay, à okay. TNT? Bon, mais check bien ça. On va... vous entendez tout le monde. Je ne sais pas si dans les commentaires, si vous voulez me le dire, là, mais si vous entendez Isabelle, si vous entendez bien Stéphane. Bon, Ben qui fait sa job, il partage avec Luc. Ben. Ouais, Ben, il fait son... Attends, et voilà. Bon, OK. Je vais montrer ça ici. Non, pas ça ici. Ça va être pour le tirage. Moi, on dit, Denis, il faut que j'apprenne à contrôler encore la logistique de tout Linda ça. Linda dit que le son est clair. Le son, te remercier. Oh, ça va-tu marcher? Pourquoi ça n'a pas marché comme ça? Ah, et voilà, ça a été un petit peu long. Linda qui... Et voilà. Tiens. Salut, Linda! Et juste en dessous ici. Le pip, 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 pip. Merci beaucoup. OK. Qu'est-ce que je vais faire là? OK, je voulais parler de. Je voulais parler de TMNT. TMNT. Bon. Fait que ce que je veux faire ici, je vais vous montrer vite ce qu'on peut faire maintenant avec ce petit. Ça devrait marcher. Logiciel. Ça? Ah, checkez bien ça.
Et voilà. On va vous montrer la bande-annonce sans le son, bien sûr. On va vous parler de moi, Isabelle. On a eu la chance de voir Ninja Turtles, Mutant Mayhem, un chaos des mutants en français. Comment tu as trouvé ça, Isa? Le film d'animation qui est très particulier, différent pour une franchise qu'on connaît déjà depuis plus de 20 ans là, du côté cinéma. Là. OK. Je ne suis pas le public cible pour ouais. un film comme ça. J'aime beaucoup les Ninja Turtles, mais en bonhomme, je suis pas celle qui va lever la main en premier pour aller le voir. Intéressant, mais pas pour de jeunes enfants, par contre. Non, j'ai c'est ça. C'est on va dire tout de suite, c'est pour enfants 10 ans. De 10 à 17 ans, mettons. 17 ans, je ne suis pas sûre. 15. Ben 10 à 16 ans, mettons. Dépendamment de leur passion pour ça. Pour les jeunes ados, OK. Le film est rien de révolutionnaire. Non, Ben, ça ressemble pas beaucoup à Spider-Sense. Non. Moi, j'avais aimé Spider-Man. Ouais. Là, c'est vraiment plus. Ben moi, j'ai autant aimé Spider-Man. Mais c'est le design. C'est ça. Mais les enfants vont aimer Spider-Man. Les jeunes enfants ne vont pas aimer ce film-là. Ouais. Parce que c'est pas un film coloré. Les enfants s'ennuyaient dans la salle pour ce film-là. Oui, les jeunes enfants. Il y a même un enfant qui devait avoir 7-8 ans qui a dit « Papa, c'était plate ». Ouais. C'est pour les fans de Ninja Turtles et c'est pour les jeunes ados et ceux qui aiment un peu le nouveau genre. Il y a comme Julien ici, là, je vais vous montrer ce qui est écrit. Merci à Into the Spider-Verse pour lancer une nouvelle ère dans le cinéma d'animation. En effet, Julien, ce film-là, nous a... moi, ça m'a conquis côté visuel, mais en même temps, c'est un peu bizarre. C'est comme si... Parce que dans la bande-annonce qu'on voit à côté c'est de moi... C'est comme des dessins mal définis. C'est, ouais, c'est les comme humains si, là-dedans. C'est de pas l'art les tortues. Abstrait. Ouais. On voit beaucoup de personnages dans le film qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. Ou est-ce que tu as l'impression que ça a été dessiné en aquarelle 3D, mais en gardant un style de concept des dessins de Tim Burton. Ouais, si vous avez déjà vu les Art of de Tim Burton, là, ce qu'il fait... La mariée cadavérique. Ouais, ou le Noël de Monsieur Jack. Noël de Monsieur Jack. C'est ça, ces films-là. J'ai tout le temps habitué de dire Nightmare Before Christmas. Là, désolé, c'est mon français qui ressort. les bonhommes qui sont dessinés avec des petites jambes, un corps bizarre, une tête déformée, ben, on voit beaucoup ça... dans le film de Mutant Mayhem, de Ninja Turtles. Vous allez voir ce que vous allez voir le film, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est bizarre comme style. On n'est pas habitué au style. En même temps, ça fait différent, puis c'est ça que j'ai aimé. Je pense qu'on n'est pas habitué au style, mais le look du 3D, tu disais? J'ai un look très jeu vidéo comme film. Ben, c'est que ça amène une immersion 3D sans porter du 3D, les couleurs, l'effet de profondeur. Ce film-là va être écœurant à la maison avec le HDR. Si vous avez du QLED, ça va être du bonbon à regarder parce que c'est comme de l'aquarelle en 3D. Et tout ce qui est les passages, les souterrains, les égouts, on a un effet de 3D juste à cause... par la façon qu'ils utilisent des couleurs ouais. et le style qu'ils ont pris pour l'animation. Mais le design pour les tortues, pour April O'Neil, puis pour les méchants, et je l'adorais. Oui. C'est vraiment les personnages qui sont secondaires en arrière, qui sont un peu plus décalés. Il y a ça, puis il y a aussi l'histoire qui n'est quand même pas si compliquée que ça. Il n'y a pas une grosse histoire là-dedans. On ne réinvente pas vraiment le roi avec les tortues ninja. On raconte encore une fois, puis il y a comme un clin d'œil, une joke en disant « Bon, je vais encore raconter... » Comment ça a commencé. Sauf que c'est quand même différent. Oui, il y a quelques légères différences. C'est tout cute. Les tortues, bébés, sont toutes cute. Oui, mais le rat, Faites il est attention, il est vraiment laid. Il est laid. Très laid. C'est qu'il est laid. Splinter est laid. Il est vieux et laid là-dedans. Oui. Fait que... en tout cas, moi, j'ai aimé le film. De un, j'étais un fan de Ninja Turtles. Deux, j'aime l'animation. Et trois, c'était différent, c'était nouveau. Oui, il y en a comme qui a dit ça, donc ça ressemblait à Into the Spider-Verse. Ben qui a écrit ça? Ouais, mais il y a Ben, non, descend. Moi, je m'occupe de ça de l'autre côté, ça. Ben oui. Le visuel de l'animation. Ouais, non. Oui et non. Oui et non. C'est pas pareil. Non, c'est vraiment. C'est autre chose. Mais ce qu'on pourrait dire, ce qui est dans la même direction que Into the Spider-Verse, oui. Puisqu'on n'est pas dans l'animation qui est maintenant classique là, de Disney Pixar en 3D CGI. Bon, il y a Lisa qui dit, on va la lire justement ici. Là. Elle dit, j'ai vu TMNT hier et j'ai été agréablement surprise. Il y avait plusieurs références inattendues, en effet. Ça, c'est vrai. Si je n'avais pas gagné un concours, je ne pense pas que j'aurais fait le déplacement pour le voir. Mais elle semble avoir aimé ça. Donc, il y a ça ici.
Jocelyn qui va peut-être embarquer bientôt. On va arriver, il n'est juste pas capable de connecter sa caméra. Jocelyn, on t'attend. Ouais, son internet bug. Ouais, ça se peut, ouais. Ouais, c'est ça, Splinter, c'est Seth Rogen déguisé en rat. Mais Splinter, c'est... Tu t'habitues. En anglais, c'est pas Seth Rogen. Seth Rogen joue un autre personnage, c'est Jackie Chan qui fait Splinter. Ouais, mais tu t'habitues au rat. Mais ouais. La première fois que tu le vois, tu fais comme « Oh! » Et ça. Ben, il dit... qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit « J'ai hâte de le voir, je suis prêt à du nouveau dans le TMNT, que ce soit PG ou mature. » Ben, c'est pas vraiment mature, c'est plus non, jeune, ça, c'est jeune ado. Le... Jeune ado, je pense, je dirais, c'est le créneau parfait. Là. Ouais, fin primaire, début secondaire. Ouais. C'est pas mal. Ouais, il y a pas vraiment de gore là-dedans, il n'y a rien de violent. Là. Le premier TMNT Ninja Turtles qui est sorti en 1990, c'était beaucoup plus violent que ça. Ça reste d'animation. C'est ça, ça reste des dessins animés. Puis, là. Ils sont jeunes là-dedans, les tortues. C'est ça. Puis, mais l'interaction entre les jeunes, elle est... Parfaite. Parfait. Ils ont une belle chimie. Toi puis moi, Isa, on a-tu des ados? Oui. On a-tu des ados? On a des ados. On a cinq. Cinq ados. Puis je peux vous dire que... Ça sonne comme des ados. À l'écran, ça sonne comme des ados. Ils agissent comme des ados. Ouais. Ils mangent comme des ados. Ils ramassent comme... Ils ramassent pas comme des ados. Ils se comportent comme des ados. Ah ouais. Ça, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Ben qui dit... ouais, Ben, il sort son côté... connaisseur de comics. Ouais. Il parle de Last Ronin, sera mature, soyez prêts. Moi, je sais qu'ils font un jeu vidéo adapté de Last Ronin et il y a apparemment un sequel en comics qui s'en vient aussi pour Last Ronin. Si vous ne connaissez pas Last Ronin, faites des recherches. Last Ronin en comics, ça va être hallucinant. Ben, il va peut-être nous en parler lorsqu'il sera prêt à collaborer pour un direct, quoi que ce soit. Là. Peut-être qu'il y aura... Ben, dis-moi si tu as fait une vidéo, au pire, je la partagerai ou partage-la. Je t'invite à le partager dans les commentaires si t'as fait de quoi pour Last Ronin. Le sequel est déjà en print. OK, bon, fait que ça s'en vient, là. Bon, merveilleux. Sequel est déjà prêt. Ben, il dit ça. Sequel est déjà en print. Good. OK. Hey, qu'est-ce qu'on se disait? On se disait qu'on ne sait pas si ça va faire de l'argent au box-office parce que c'est tellement pas clair au cinéma ce qui se passe en ce moment qu'on n'a aucune idée s'il va faire de l'argent ou pas. On ne peut plus jouer sur rien. Comment on pourrait dire ça? Donc, c'est... Il se passe de quoi au cinéma cet été? Barbie qui fait 750 millions. 775 millions. Ah oui, OK. Je suis pas contre Barbie. Là. J'ai rien. Non. C'est juste, moi, en entour de moi, il n'y a personne qui a été voir ce film-là. Fait que c'est weird. J'ai le même feeling que quand j'étais plus jeune, je n'écoutais pas La Petite Vie. Mais tout le monde me parlait que La Petite Vie, c'était bien populaire. Mais ouais. Les gens qui étaient autour de moi, personne ne regardait ça. Tu comprends ce que je disais? Ouais, ça, je comprends. Mais Barbie, c'est ça. Il y a mes filles qui ont été pour faire la critique. Yeah, c'est un phénomène mondial. Là. Puis même mes filles qui ont vu Barbie, ça demande comment se fait que ça marche tant que ça. Moi, je pense. Je sais parce pas. Que les gros films qui étaient censés faire de l'argent, mais c'est impossible, cette année, ça marche pas. Indiana Jones est un flop total. Flash n'a pas marché pas en tout. Tu peux aimer ou pas aimer, mais c'est comme weird que ces films-là ne fonctionnent pas. Oppenheimer s'en sort bien. Oppenheimer s'en 400 sort. Millions, tu as l'impression que le Barbie-Namer, le gimmick qu'ils ont fait, ça a marché au bout. La pub qu'ils ont faite là-dessus, ça a fonctionné. Même Ben, il dit, je n'ai montré aucun intérêt pour Barbie, zéro. Ouais, mais moi, je ne suis pas une femme de Barbie non plus. J'ai joué au Barbie quand j'étais jeune, mais je ne suis pas rendu là. Ouais. Fait que ça, c'était pour... Ninja Turtles, moi je dirais allez le voir. Ça vaut la peine. Ça va être fun. Ça dure un peu plus qu'une heure et demie. C'est pas trop long. Il y a des surprises dans le film. Il y a une scène après générique. Oui, il y a une scène au milieu du générique, oui, qui laisse suite un autre film. Suite de Ninja Turtles. Ouais. Je vous dis absolument rien, mais en même temps, c'est facile à deviner. Je vous juste dis ça de même. On s'en attendait tous. Oui, c'est ça. Et il y a aussi Paramount qui a annoncé, il a déjà confirmé, en plus d'avoir confirmé une suite au cinéma pour Mutant Mayhem, ils vont faire deux saisons animées en 2D qui va faire le lien entre les deux films parce que le prochain film va quand même prendre 3-4 ans à faire. Donc, il va y avoir une série animée qui a déjà commencé, Ninja Turtles, qui va être canon dans cette histoire-là, cette nouvelle lignée. Ça va être un multiverse à un moment donné, c'est sûr. J'ai dit à Joe, parce que Jocelyn essaie de se connecter, sa caméra ne marche pas, mais j'ai dit d'essayer juste avec son micro. Oui, il passait avec son micro. Avec ton micro, Jocelyn, on va juste entendre ta voix. Il faudrait que tu le mettes en ligne, voir si ça fonctionne ou pas. Mais là, c'est parce qu'il faut qu'il embarque. Je peux pas l'embarquer. Ouais, il faut que tu embarques. Essaye de rentrer dans le studio. Tu peux peut-être l'embarquer comme ça ici. Essaye de l'embarquer juste sans la... Parce que Jocelyn, tu nous entends. Ça s'en vient. Jocelyn? Oh.
Jocelyn pas là. Il a vu mon message. Vous êtes dans l'ombre. OK. Bon, écoute, Steph, juste avant ça, quoi? Quelqu'un qui est là, Julien. La sortie simultanée. Julien, ici, ici, ici. Oui, oui, je l'ai écrit ici, là. Okay. La sortie simultanée des deux films a donné un hype, un film plus coloré et fun, et l'autre biopic un peu déprimant. Le pire, c'est que on veut aller voir Oppenheimer. Je ne sais pas si Julien t'a vu Oppenheimer. Moi, ça m'intéresse au bout. Non, c'est là en fin de semaine. Je ne suis pas un fan fini de Christopher Nolan. Il y a mais des films les gens disent que ça vaut la peine. Mais ce film-là, je pense que c'est dans sa lignée d'être dans les meilleurs. Fait qu'on va aller le voir. La semaine prochaine. Sûrement, sûrement. Là, on avait déjà Turtles, c'était un avant-première, on ne peut pas changer de date. Ça va être encore au cinéma, de toute façon. Exactement. Fait qu'on va le voir Oppenheimer, Barbie, aucun intérêt. Non. Si vous l'avez vu, tant mieux pour vous. Là. Je ne parle pas contre les gens qui vont voir Barbie. Good, allez-y. J'ai l'impression que les gens de Barbie qui se font attaquer parce qu'ils vont te voir un film, ça me fait penser à moi quand j'ai été voir Transformers. J'ai été voir ça, c'est un film basé des bébés. Oh non! Mais toutes tes affaires. Ma tête se frotte les mains. Ah non, c'est sûr. OK, bon. Ça, c'est pour les commentaires qui ont tourné autour de Ninja Turtles et Barbie et Oppenheimer. OK. Steph! Oui! Bon. Débrouille-toi. Je vais faire mon bronzage avec mon beau teint. Hé, hey, mon petit schtroumpf! Oui! Il manque ça, c'est les lumières au LED, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça, il manque juste ça. Ouais. Alors, en direct, d'ailleurs, on va voir ça. Ouais, j'ai pas de nouvelles de critique comme telle, mais j'ai vu quelque chose que j'ai pas vu de nouvelles, puis c'est un peu... C'est, it makes me blue, c'est approprié. Hier, le 28, c'était hier, Disney a officiellement retiré Mickey Mouse de l'écran avec A Wonderful World of Mickey. C'était la dernière épisode. Puis ils ont fait un lien avec Steamboat Silly. Et ils retirent Mickey Mouse des films et de la télévision. Monsieur Mickey Mouse. Mickey Mouse prend sa retraite. Fait que c'est ça. Puis il y a une autre raison. Mais voyons aussi. Donc, ça se peut pas. Oui. Oui, parce qu'il y a une autre raison aussi que j'ai pas. J'ai pas pu approfondir, mais on a une limite sur les droits d'auteur d'une propriété intellectuelle. Puis pendant des années, Disney se sont battus pour étirer la sauce sur les droits sur l'utilisation exclusive de Mickey Mouse. Et en 2024, ça va faire, je pense, ça va faire leur 100 ans. Ouais. Alors, ils ont plus le droit exclusif. Fait que là, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir s'en servir. Fait que je pense que tranquillement, au niveau des projets, ils vont peut-être délaisser. Ça, là, j'essaie de voir deux, trois sources de nouvelles de Disney où ce qui parlait si pas mal la même affaire. Ce que j'ai comme information, c'est ça pour l'instant. S'ils font ça, si vraiment ils retirent le personnage, je comprends pas le move à part, comme je vous dis, pour les droits d'auteur et tout, mais c'est comme l'emblème de la franchise. Tu peux pas... C'est l'image. Tu peux pas ne pas exposer ta mascotte à une nouvelle génération parce que sinon, dans 10 ans ou 15 ans, le monde va aller dans les theme parks pour voir Star Wars puis les princesses. Ils vont faire, c'est qui ça, le monsieur avec la souris? C'est quoi la souris? Puis là, c'est les parents qui vont faire dans le temps. Il y avait Mickey Mouse. Faudrait pas que ça arrive, ça. C'est tellement un symbole de joie, d'innocence, de quelque chose de beau. Tu sais, Disney, j'ai l'impression que c'est la place que peu importe comment ça va mal dans le monde, tu peux aller là, puis c'est « it's the happiest place on earth ». Mais de ce que je vois, c'est qu'il peut tomber dans le domaine public. Okay? C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ils tombent dans le domaine public, ils l'ont protégé pendant 95 ans. Comme Winnie l'ourson, à ça, ils font des films d'horreur avec Winnie l'ourson, parce qu'il y a du domaine public, tu peux utiliser ce personnage-là. Ouais. C'est exactement ce qui se passe avec Mickey. Et Steph, tu veux que je fasse peur? Me faire peur à des gens comme Jocelyn, ou je vais faire peur à des gens comme Benoît. Tu sais que, regarde ça, là, dans pas long, là, des personnages comme Superman, comme Batman, tombent dans le domaine public aussi. Ça, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps qui parlait de ça. Fait que ces personnages-là aussi vont devenir accessibles de plusieurs entreprises qui vont vouloir milquer l'argent. Ouais. Parce que Ben, il vient de dire, là, je vais le mettre ici en commentaire, là, il dit un peu comme Conan le Barbare. Moi, je te dirais même un peu comme pas mal tous les super-héros qu'on connaît de notre génération qui ont commencé il y a 75, 80, 85 ans. Superman, Batman, Spider-Man, tous les gros noms là, dans pas long vont tomber dans le domaine public. Ça risque de créer de quoi d'assez spécial, ça, là. Oui, c'est ça. Puis j'imagine, puis là, justement, Benoît pourra commenter, parce que c'est pas mal plus lui et toi, les spécialistes là-dedans.
J'imagine que là, ça va être vraiment une question de la qualité du travail plutôt que, tu sais, la petite clique de tu travailles chez Marvel ou chez DC. Fait que tu as la permission de travailler sur Batman, de faire de quoi. Là, tu vas avoir quelqu'un qui est amateur, vraiment, vraiment passionné, qui va sortir sa version. Puis là, ça peut prendre, puis ça peut lever de façon complètement indépendante. Fait que c'est bien du côté que légalement, ça ouvre la porte à la créativité puis la variance. Pour ceux qui sont tannés de toujours voir un peu les mêmes versions ou la même adaptation, le style, à cause que Ouais. c'est les mêmes studios qui contrôlent. Mais d'un autre côté, c'est ça va donner une méchante compétition pour comme l'héritage, on va dire, des personnes qui en possédaient les droits originellement. C'est un peu ça que j'ai découvert. Je voulais partager parce que c'est pas le genre d'affaires qu'on va voir à TVA et LCN. Puis je trouvais que c'était à la place, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont trouver. Puis c'est ça, dans un des articles que j'ai lu, à moins qu'il y ait une loi spéciale qui passe, qui donne une espèce d'extension, c'est ce qui va produire. Merci Isabelle, j'avais manqué le nom, le domaine public, mais c'est ça qui va arriver. Fait qu'on va voir. Fait qu'officiellement, de ce que j'ai lu, Mickey Mouse n'apparaît pas pour l'instant parce qu'il avait sa propre série, The Wonderful World of Mickey Mouse. Ça s'est fini hier, c'était la finale, puis il retire le personnage, il prend sa retraite. Fait qu'espérons qu'on va le voir un peu plus tard, au moins faire des apparitions, des caméos ou quelque chose, parce qu'on va Ouais. s'ennuyer de la petite souris. Fait Ça, que je ne sais voilà. pas. Claudine, elle écrit, ça va aussi ouvrir la porte aux fabricants de jouets, toutous, vêtements, autrement dit, les produits dérivés, pour Ouais. fabriquer plus de produits. Je ne sais pas si c'est Ah, là, il est plus sous licence, Mickey, ça veut dire. Ben, non, attends un peu. Pas encore. Si je me fie à mon expérience de tout le temps fouiller dans ces affaires-là, puis je suis pas un gars potin, mais ça, c'est pour vendre des potins, là. Du côté légal, une compagnie ne pourra pas commencer à faire des toutous de Batman sur un Batman qui a été dessiné chez DC Comics. Il faudrait qu'ils fassent leur Non, c'est ça. propre concept avant et dire Et ça, nous, design. c'est notre interprétation de Batman. Il ne faudrait pas qu'il ressemble Ouais. à Batman avec le logo du Bat Signal sur le chest, tout ça. Un peu comme Mickey Mouse. Mickey Mouse va tomber dans le domaine public. Oui, ça se peut qu'il y ait d'autres compagnies qui décident de vendre des souris qui s'appellent Mickey Mouse, mais ils n'ont pas le droit d'avoir Mickey Mouse avec les grosses oreilles, le gros nez identique. Il faut qu'il ressemble à autre chose, à une souris qui s'appelle Mickey Mouse, mais il ne faut pas qu'elle ressemble à Mickey Mouse. Fait que c'est ce OK, côté-là, le côté-là, Claudine, que je pense que le produit dérivé, oui et non. Est-ce qu'une compagnie, ça va plus ressembler à du cheap merchandising qui vient de la Chine, qui est vendu au Dollarama, là, si tu commences à faire ça. peut-être. Fait que. Mais là, je sais qu'on n'est pas expert au niveau légal, là, mais si tu changes les couleurs des shorts de Mickey Mouse, c'est considéré comme c'est plus le même produit? On est-tu Ben là, dans ce genre de cause-là? ça dépend ton, comme je dis, ton budget d'avocat. Si Ouais. tu vas trop proche de la Ouais. ressemblance et que les avocats de Disney cognent à ta porte, j'espère juste que tu es Elle est financièrement infallible. prêt parce que Disney a quand même les poches très profondes malgré le fait qu'ils perdent des centaines de millions de dollars depuis quelques temps avec leur Ben, film. c'est ça qui est pas traumatisant, mais qui est comme moi être le boss de Disney, je serais peut-être un petit peu inquiet parce que là, les revenus baissent, puis là, en plus, tu perds les droits de quelque chose qui. Toutes les personnes qui vont en Disney ont un chapeau avec des oreilles sur la tête, là, fait que c'est comme Ouais. s'exclusif à eux autres. Puis, fait que je sais pas ce que ça va donner. Ça annonce un pattern un petit peu sombre pour la compagnie au courant des 2, 3 prochaines années. Fait que voilà. Fait que ça, merci pour ta nouvelle super intéressante. Je suis très, Ça très manque de pas que motivation un je. petit peu, désolé. C'est pour ça que j'ai un beau teint, je trouve, bleu, là. Fait que Il y a voilà. Emiliane Pomerleau-Lompré qui dit bonsoir. Bonsoir, Emiliane. Tu Tiens, devrais répéter qu'un concours à la fin Oui, du regarde. direct. Bonsoir, Emiliane. Youhou! Oui, Stéphane qui est dans le bleu du firmament. Ouais. Oui, je vais le remettre la bannière vite, Le vite. repartager. Regardez la bannière en dessous, vous allez voir. Laissez un commentaire afin de participer au concours afin de gagner l'un des deux codes numériques pour Transformers Rise of the Beast. Si vous inscrivez Unicron dans les commentaires ci-dessous, je vous le répète, Unicron, je vous l'écris encore dans les commentaires. Unicron. Vous écrivez Unicron et on vous amène vers la fin, dans 20-25 minutes. Je vais mettre tous les noms de ceux qui ont mis Unicron dans la roue de tirage pour gagner, avoir deux gagnants pour gagner des codes numériques
pour voir le film Transformers Rise of the Beast. Et je vais vous envoyer ça après le show. Donc, dans quelques minutes, quelques instants qui suivront la clôture de ce direct du 30 juillet, bien, vous allez pouvoir regarder le film. Là. C'est vraiment instantané. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, Linda qui vient d'écrire Unicron, Michel Harvey qui crie Unicron, Emiliane qui crie Unicron. Parfait, c'est ça qu'on veut, regarde. On va mettre des noms. Là, tiens, regarde. On va vous montrer que vous participez, puis je tiens à vous remercier, Claudine, Emiliane, Richer, Linda, merveilleux. C'est ça qu'on veut. On veut. Avocat Disney qui dit FBI, open up X. Ouais. Emiliane, le code numérique, je pense. Normalement, c'est en anglais. En anglais ou en français. Je pense pas que le code numérique. Parce que moi, l'information que j'ai, je ne peux pas vous le montrer parce que vous allez voir le code, j'ai trois fichiers PDF et les informations sont en français et en anglais. Donc, d'après moi, vous avez un code numérique qui vous donne accès aux versions françaises et anglaises pour Transformers. On n'est pas certain. En français, c'est. Ouais, mais. Séparément, c'est un concours qui est organisé par la division canadienne et il me l'envoie, sachant très bien que les gens participent via une chaîne en français. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Physical Media aussi la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un code numérique qui va venir avec un lot de prix, Benoît. Il va avoir un haut-parleur, il y a pas un T-shirt, mais un T-shirt, pas de manche. J'ai oublié le nom. En vrai, c'est une camisole. Une camisole avec le logo des Autobots dessus. Il y a aussi une affiche du film, le code numérique. C'est un beau lot de prix. C'est un cadeau fait des gens de Paramount Home Entertainment. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bon, on a parlé de... Oui, Stéphane va l'écouter. Il me reste bon. Shine, je crois. Shine, bon, ton film asiatique, là, que j'ai oublié le nom. Ah oui, Shin Mask Rider. Est-ce que j'ai la vidéo de ça quelque part? C'est ici, attends un petit peu. Alors, encore, je veux dire, je me... affiche vidéo. Un petit peu. Je vais vous montrer ça ici. Si vous avez pas, si vous connaissez pas ça, c'est pas grave. Shin Mask Rider. Ça a été présenté cette semaine au Festival Fantasia de Montréal. Regardez un peu le look. Moi, je trouve ça, c'est mon genre. Je suis gaga pour ça. Ça n'a pas vraiment connu succès dans les années 90 en Amérique du Nord, puisque c'était comme la troisième vague d'importation transitoire la même compagnie qui avait amené les Power Rangers et aussi les Battlebot Borg, quelque chose comme ça. Ça, c'était comme la troisième vague et ça c'est trop peu trop tard. Et c'était plus dans le marché. Parce que le son que les gens qui avaient importé les Power Rangers, ils ne savaient pas comment ça marchait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient des vieilles séries asiatiques. Ils gardaient les scènes où est-ce que les personnages étaient masqués avec les monstres, les combats d'arts martiaux. Et toutes les scènes avec les acteurs qu'on voit les visages asiatiques étaient reshootées aux États-Unis avec des jeunes acteurs nord-américains. Et on faisait un blend de ça. Le problème, c'est que Mask Rider avait très peu de scènes en costume. Donc, et c'est un peu, pour le public, un peu plus mature, donc un peu plus violent, un peu plus gore. Les Super Sentai, exactement. Merci, Julien. Fait que Mask Rider... Là, ils ont fait un film, puisqu'il y a déjà eu... Là, c'est le troisième Shin. Il y a eu le... C'est vraiment des films différents, mais c'est comme une reconception, revisualisation, un genre de reboot, mais à une nouvelle façon d'expliquer une origine de personnages de Toei, compagnie asiatique. Là, on a eu Shin Godzilla, qui était assez surprenant comme film, où est-ce qu'on voyait un Godzilla très méchant qui commençait avec un verre, qui grossissait à la fin, juste avant la fin du film. Il commençait même à avoir des morceaux de lui qui tombent, qui faisaient d'autres monstres. Parce que ça, c'était dans le concept art, il me semble que c'était pas dans le film. Mais anyway, fait qu'il y a eu Shin Godzilla. Après ça, il y a eu Shin Ultraman, où est-ce que j'en ai parlé, c'était avec qui donc qui m'avait dit que c'était pas. Jenin, qui était avec nous hier au visionnement, qui dit il y a beaucoup de scènes de bureau. C'est ça qu'il disait. Beaucoup de scènes de bureau dans Shin Ultraman. Oui. Et puis. On a écouté la bonne annonce, on a dit ça là, qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de scènes de bureau. Oui, Guyver sort de sa corps. Beaucoup de solitude. Si tu ne connais pas Guyver, c'est très similaire côté des bibittes. Mais c'est ça. Pour ce qui est de Mask Rider, quand j'ai vu Sarah, le vieux Fantasian, de parler sur son site, sur Facebook,
Et puis là, je dis OK, il est sur Amazon Prime. Fait que vendredi, avant d'aller souper avec nos filles au resto, j'ai vu que c'était bel et bien sur une fenêtre sur Amazon Prime. Puis là, moi, mon petit côté geek de. Ton petit côté geek. Petit côté geek. parce que moi, j'ai grandi avec Inframan quand j'étais jeune, avec Ultraman, avec les vieux Godzilla. C'est là, tu sais, avec Goldarak, les super robots, Ghetto Robot, Mazinger Z, tous ces personnages-là. Et puis, ça précède Transformers. Tu sais, c'est comme j'étais dans l'âge de ça. Mais ça a juste resté nostalgique pour moi. Non, t'as été imprégné. Quand j'ai vu l'annonce de ça vendredi, je dis OK, on s'en va au restaurant, mais j'ai hâte de revenir pour écouter ça. Ça a bien commencé. Il y avait un petit peu plus de côté violent, sanglant, action. Mais ça a vite viré où est-ce que j'étais comme, bah, finalement, pas si intéressant que ça. Si vous tripez l'univers de genre de Power Rangers, ben imaginez que c'est un genre de mélange entre justement Guyver, comme Benny dit, et des Power Rangers, avec un bon budget, des bons effets visuels, mais pas si intéressant que ça. Ou c'est peut-être moi qui ai rendu trop vieux, la nostalgie est plus forte que la réalité. C'était quoi de mal? Anyway. Mais je vous invite à aller le voir, ça, c'est disponible sur Amazon Prime Video, Shin Mask Rider. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'ont pas profité de ça pour mettre Shin Godzilla et Shin Ultraman. Ils n'ont peut-être pas les droits pour ça. Ouais, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, par Hideki Anno, le papa de Evangelion. Oui, parce que c'est même écrit, je pense, c'était au début de Shin Ultraman. C'est carrément écrit par rapport au responsable de Evangelion. Ils vont certainement faire un Shin Evangelion à un moment donné. Je ne serais pas surpris de ça. Bon, à part de ça, qu'est-ce qu'on a? On a dit autre chose. On a parlé de Ninja Turtles, Mask Rider. Est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez un peu le côté visuel qu'on a là. C'est un peu différent, même si c'est très similaire. J'aurais espéré d'autres personnes. Jocelyne, je pense qu'il y a des problèmes non, techniques. Jocelyne, parce que Jocelyne... il y a des problèmes avec son... Il s'est connecté 5 fois et il n'est pas capable à cause de son Internet. Stéphane, il m'a fait un signe, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est comme s'il m'a renvoyé promener. C'est comme au baseball. Il a fait comme... Glisse le deuxième but. Glisse le deuxième but. Je vais me joindre à la conversation pour parler d'autre chose. Tu as l'air à vouloir rentrer. Ah oui, mais écoute, Steph, rembarque. Ben, il dit c'était plus organique. Ben, merci, Ben. Puis, hâte de te parler aussi très bientôt, que ce soit... par téléphone, que ce soit par raison de Cinemaniacs, que ce soit même au travail, hein? À travail, à Laval, puisque j'ai commencé la semaine passée. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Steph, tu vas embarquer tout là? Oui. OK, parce qu'après ça, je vais faire le tirage. Je vous rappelle, si vous n'avez pas participé, vous inscrivez Unicron dans les commentaires, que ce soit Facebook ou YouTube, puis je vais prendre vos noms. Je vais le mettre dans la liste pour le tirage de deux gagnants pour un code numérique pour voir le film Transformers Rise of the Beast. Tous comme un cave, I'm not talking. Oui, je comprends, tu ne files pas. Prends soin de toi, prends rétablissement. Bon, Stéphane qui apparaît un peu dans la vidéo comme ça. Allô? Le magicien. C'est un magicien. C'est le même magique. C'est comme Evil Dead. Oui, pareil. Oui. Ah, t'as sorti un joint jamaïcain? Ouais. Mais j'ai des pouces. Mais ouais. Il y a des pouces, il peut taper. Bon, OK, parfait. OK, bon. Stéphane, tu vas embarquer? Il est dans sa pièce bleue. Let's go, Steph. Let's go, mon Steph. Oh, on a Steph. Oh, quelle surprise! Ah! Bon. Mon Steph. Ça y est. Blue, it ain't. Bon, non, c'est parce que là, t'avais l'air d'avoir du temps à tuer. D'habitude, ça finit à 8 heures. Puis là, ben, j'aurais, mettons, pour toi, j'aurais peut-être un 6-7 minutes de quoi comme contenu que tu m'as pas dit. Ah, ben oui. Non, c'est juste parce que, tu sais, je sentais pas le besoin d'en parler, mais il y a une série à la télévision qui joue sur Global. Parce que là, c'est l'été, fait que là, j'en profite. Excuse, sur Global, oui. Ce moment de nature vous est présenté par le Mutuel d'Omaha. En fait, c'est ça quand on dit le Mutuel d'Omaha avec les... Ah, il faut des sprinkles! Ouais. Ça t'est gênant, ton effet visuel. C'est ton chose? Tinkerbell! Ça, c'est Stéphane! Ah, ben oui. Non! bon! On peut arrête, y aller. On va commencer à ressembler à une vidéo de Madonna, là, ton affaire. Là. Non, on veut pas c'est ça. On veut pas ça. C'est le même, là? OK, vas-y. Autre sujet. Correct. On finit avec soi. Après ça, il y aura le tirage. Oui, il y aura le tirage. Participez en grand nombre. Série.
Sur Glow, Oui, ben, c'est pas c'est une ça? nouvelle série, c'est la deuxième saison. C'est parce que là, qu'est-ce qu'ils font quand tu peux regarder la télévision puis de rattraper les séries qui sont sur demande? Il y en a, ça me frustre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils laissent tout le temps juste les deux, trois derniers épisodes, puis tu peux pas voir le reste. C'est ça qui est arrivé dans le temps avec Chucky. Il a enlevé à mesure. J'étais comme, ben là, OK, je vais laisser faire. Puis Nightcourt aussi, c'est ça qui m'est arrivé. Fait que j'attends que la nouvelle série sorte. Mais il y a une série qui s'appelle Ghost. C'est léger. C'est pas. Comment je pourrais dire ça? Pas besoin de te concentrer. C'est pas CSI, c'est pas des affaires policières, c'est pas Law and Order, là. C'est un couple de personnes qui ont hérité d'un grand noir. Ils décident d'abandonner leur carrière, d'en faire un bed and breakfast. La version, c'est que la fille, elle pique une plonge dans les marches, puis elle est capable de voir les fantômes qui habitent dans la maison depuis très, 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 très longtemps. Mais il y a juste elle. Son chat les voit pas. Fait que là, tu as une variété de monde. Tu as une personne des Premières Nations, tu as la propriétaire de la demeure il y a plusieurs années, on parle de plusieurs décennies, quasiment un siècle, c'est pas plus. Puis elle est très bourgeoise, puis je suis tant que like tantôt de temps, puis elle arrête pas de dire, ah, moi, dans mon temps, la cocaïne, c'était le remède pour tout. C'est quoi, tu sais? Fait qu'on a à peu près entre 5 et 10 personnes d'époques différentes. J'essaie de me placer pour que. As-tu moyen de. Ah! On Correct, va dire. correct. Oui. Bon. Il y a à peu près entre 5 et 10 personnes d'époques différentes. Il y en a un, c'est dans le temps de la guerre, là, tu sais, quand le monde avait des petites perruques puis les affaires. Il y en a un autre, il a voulu faire une bonne action, puis quand il est mort, pas de pantalon. Fait qu'il faut juste pas qu'il se penche, puis le show soit pas censuré. Fait qu'en gros, Écoute, c'est écoute. les aventures à chaque semaine de ces personnages-là qui essayent d'interagir, qui essayent de participer, mais il y a juste celle qui est capable de les voir. Puis c'est cocasse, c'est loufoque, c'est drôle, c'est pas à prendre au sérieux. Puis j'aime ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment un divertissement. C'est juste pour. Tu sais, quand tu te casses pas la tête, t'enlèves ton cerveau, puis tu regardes ça. Puis j'essaie de rester. Mais y a un petit moyen de le téléphone. Va Ah l'avoir. non, c'est parce Je suis pas capable. Ah! Je l'ai pris. OK. Non, t'es capable, Pas pire. Steph. Allez, Non, mais Martin! moi, ça m'énerve. Je me garde. Puis, Hey, voilà. Ah! Regardons ça. on commence à avoir le cast de Fast and Furious avec Ah. nous autres. Ben oui, regardons ça. Hey, toi, Manque Alec, t'as un trou dans ton terrain de golf. Regarde ça. Check la trappe de sable. Non, c'est pas vrai. de swing. C'est pour ça Salut la Martin. casquette. Steph, oui, continue, continue, Steph. Ouais, mais en gros, c'est ça. Fait que si vous avez la chance de le voir, c'est encore sur demande parce que toutes les saisons Ça s'appelle que comment? vous avez manquées, souvent sont encore disponibles à peu près jusqu'à la mi-août, la fin août, parce qu'après, c'est une nouvelle saison. Fait que là, ils enlèvent tout. Mais s'il y a des séries que vous avez manquées à la télévision puis que vous avez accès sur demande, profitez-en, c'est le temps, là. Moi, c'est ça que je fais. Fait que Ghost, C'est quoi le il y a titre? deux saisons de disponibles, puis Ouais. ce Le sont de l'eau titre, drôle. le titre. Ghost, Ah, c'est comme Ghost, ça que ça s'appelle en anglais. OK. Ghost, puis Merci, c'est Lisa. ça. Ouais, Fait Lisa qu'il l'a n'y a pas de inspiré. problème, j'étais. Ghost. Ouais. Et puis, j'aime bien ça. Alors, bonjour Martin, on va redonner la parole à Denis, puis il va se Non, présenter comme il écoute, faut. merci beaucoup, Steph, de nous Pas trop. avoir amené du contenu. Martin, je suis content de te voir. Bonjour. Ça va bien? Oui, t'as envoyé un lien test. J'ai dit, ben, gars, on va être là. Je suis en vacances. Bon, un autre qui est en vacances. Il y a que moi, il va Hey! travailler finalement. Stéphane, t'es en Moi aussi, je suis en vacances. vacances demain. Ma Isabelle est en semaine de vacances. vacances. Ouais, c'est ça. OK, bon, mais bonnes vacances à vous tous. Juste un petit rappel, vite, là, pour ceux qui veulent participer au concours, il reste quelques minutes seulement. Vous marquez Unicron dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Puis, je fais gagner deux gagnants pour un code numérique pour le film Transformers Rise of the Beast, ou si vous préférez en français, Transformers, le réveil des bêtes. Martin, que puis-je pour vous? Je vais venir dire un petit bonjour durant mes vacances, puis que dans les critiques, je me suis tapé de quoi que ça fait 25 ans que je veux regarder, puis que j'entends ça fait partie de on va dire, de la Des culture populaire. Je suis en train de regarder. Ah, On recommence, mais c'est pas grave, Un an de vas-y. grève, ça. Ah, c'est ça. Premier C'est mot, parti, selon moi, moi, t'es là, capable. ma mémoire de vacances a fait. Non, je suis en train Martin. d'écouter Sex and the City.
Sexe? Ah, oui. Ah ouais, OK. Je pensais oui. vraiment pas, tu sais, je pensais que t'allais dire... Le gars de Star Trek vient de sortir de bord. Je pensais que t'allais parler genre dans une galaxie près de chez vous, non, de quoi de Sex même. And the okay. City. Non, ça, okay. ça fait partie de la culture populaire. On entend tout... On utilise des probablement toutes des choses qui ont été dites là-dedans, qui ont été redites, qui c'est devenu courant. Puis c'est aussi une bulle... faut pas boire avant d'être en nombre. Parfait, oui. Sans alcool, pas de problème. Non, c'est ça. Puis ils viennent de sortir une série sur Crave, c'est Just Like That, qui est... comme la réunion des filles, c'est ça? C'est plus que la réunion. C'est une nouvelle série. Ouais. La réunion des filles, c'était les deux films que suivi, okay. que je vais me taper aussi. Là. Mais, ils sont bons, ils sont bons. Moi, indirectement, je suis... trésorier dans le CA de l'unité d'Orimi de Sainte-Thérèse, que c'est une place pour les dépendances, et puis pour aider avec les gens avec les dépendances. Et une des dépendances touchées, c'est les interpersonnels, les couples, tout ça, que tu sais, la personne attend le prince, puis le prince, ben, il vient pas, ou vice-versa, ou... okay. Ça couvre beaucoup, mais Sex and the City, là, les quatre filles, là, ça serait la clientèle parfaite pour le centre. Là. C'est quoi que j'ai entendu parler? C'est que dans le Just Like That, il y a la Canadienne, là, celle qui a joué dans Mannequin, c'était quoi son nom? Elle a joué dans Star Trek la blonde? En Discovered Country. Kim Cattrall. Kim Cattrall, oui. Merci Stéphane. Elle n'avait pas accepté, mais là, finalement, elle a finalement accepté pour jouer dans la deuxième saison. De quoi de même, hein? Oh, il va avoir une deuxième saison. Fait que oui, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. J'en parle pas vraiment parce que j'ai pas un grand auditoire autour de moi. C'est la même affaire que Picard. Tout le monde, je vais revenir à Star Trek. Ouais, c'est ça. Picard, la première saison, il y a eu des caméos, mais pas tant que ça. La deuxième saison, tout le monde voulait être dedans, là. Ouais, c'est ça. Ils attendent de voir ce que ça va être. Ça va marcher ou pas. C'est une joke, ça va tenir. Ouais, c'est ça. Mais c'est super léger, puis c'est parfait pour les vacances. Puis je suis rendu à la troisième saison, je suis à moitié chemin fait. Moi, la seule chose que j'ai pu entendre en bien de cette série-là, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Mr. Big. Ah ouais. Mr. Big, c'est le narcissique parfait. Là, quel personnage fabuleux, ça. Ah oui. Mr. Big, oui. Puis aussi, ce qui m'a attiré à ça, c'est India Desjardins. Elle a écrit un livre, India Desjardins, la connaît pour les films d'Aurélie Laflamme. Très connue au Québec, Denis. India Desjardins. Ça. Je vous crois. C'est la blonde du pharmacien. Il ne connaît pas ça non plus. Il ne connaît pas ça. Non plus. Le visage de Denis avec des points d'interrogation. J'ai écouté Shin Mask Rider, moi. Ils sont du monde très connu au Québec. OK. Très, très connue. Fait que là, elle a écrit un livre sur Sex and the City qui ça s'appelle Mr. Big. Puis elle est toute à propos des relations toxiques. Fait que là, c'est comme, hey, gars, ça me tente vraiment de me taper ça. Puis il est apparu sur Crave parce que ça faisait 25 ans. La qualité est à, on va dire, à chier. Ah, ouais, gars, regarde pas ça en 4K, regarde ça en HD, là. Parce que ça me revient mes vieux amours, là, que ce qui est en full screen, il faut le garder en full screen 4-3, pas l'étirer. Là, il est étiré au maximum pour faire, Du 16-9, mais c'était filmé, c'était même pas filmé en HD. Là. Fait étiré en HD de tous les côtés. Puis, Mais c'est quoi, on a regardé présentement, toi tu regardes les X-Files, puis j'ai remarqué qu'ils ont remodelé en widescreen les épisodes marche, d'X-Files. Mais ça marche. Ouais. Sauf que tu vois que les caméras. Ouais. Mais je pense que X-Files, il était quand même une résolution 720p. OK, fait qu'ils pouvaient le faire de meilleure façon. Ouais. Mais là, Sex and the City, juste l'intro, là, c'est comme arc! C'est mieux de se pogner en DVD si vous avez la chance. Ah, ouais. Mais ça manque ça à Martin Albert de mieux de l'avoir en DVD. Attends, il va te sortir! Et voilà! T'as-tu la série au complet?
T'as la série au complet? Oui. Fait que là, ben oui. Juste pour récapituler, t'es en train de nous chialer que c'est là que ta mort arrivée sur le streaming. Ouais, mais tu disais, ta mort, t'as tout le temps de chercher. Il pense à rien, là. Oh, sacré fils. OK, attends. Parce que j'avais vraiment l'intention des acheter, de l'écouter. Mais là, il est sorti sur Crave, là. Fait que là, la paresse d'ouvrir puis mettre le disque. Ouais! Là, je les écoute sur Crave. Je comprends très bien cette paresse-là. À cette heure-là, quand on est habitué d'avoir du streaming, surtout pour les épisodes, quand tu écoutes une série, ils mettent à peu près 4 ou 5 épisodes par disque. Fait que là, quand tu arrives au quatrième épisode, ça fait « Ah non, ah là, faut que je me lève, faut que je pèse sur le piton, faut que j'attende que ça sorte. » OK, là, tu prends le disque, tu ouvres ton boîtier, mais là, c'est juste d'un œil. J'ai les deux films quelque part aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, tu défaces le boîtier, tu prends le bon CD, tu remets l'autre à la bonne place, tu prends ton CD, tu le mets dedans, là, tu repasses le bouton, tu fais. Puis là, en plus, faut attendre que ça load. Puis là, t'as tout le petit menu, puis les affaires, puis après, tu peux prendre ta manette PC. Ça dit warning, ne pas copier, là. Ouais, non, c'est ça, en plus. Tu sais? Oh boy. Là, faut attendre que le menu apparaisse, puis hey, c'est du niaisage. Moi, je vais vous laisser parce que ma batterie est à 15%. Mais oui. Puis je vais laisser Denis Contleur aussi parce qu'il veut faire un concours, je me trompe pas. Ouais, le tirage, le concours, il est déjà actif. Ouais, il y a beaucoup de personnes. Alors, le tirage. Le tirage. Attends un peu, Stéphane, moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, on fait le tirage. Non, on peut faire le tirage, là. Écoute, non, Martin, mais restez là. Stéphane, t'as été mettre ton nom? OK. Pour les participants, j'ai Linda, il y a Richer, Amélia, Claudine, Sophie, Pierre, Mimi et Lina. Donc, ça, c'est les noms des gens qui ont inscrit Unicron dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore inscrit Unicron dans les commentaires, inscrivez, comme vous voyez dans la barre en bas, en rouge, là, c'est écrit pour gagner 2 codes numériques pour Transformers Rise of the Beast. Et à noter aussi que dimanche prochain, le 6 août, j'ai un grand prix qui est un chandail, speaker, un chargeur, l'affiche, le code numérique de Transformers, un cadeau de Paramount, et j'ai également des gens de Universal, genre plusieurs codes numériques pour Family, le Fast and Furious X, le 10e film, le 11e, le 10e de la série, mais le 11e de la franchise, en concours très bientôt. Donc, on peut faire le tirage vite, vite, là. J'ai besoin de combien de gagnants? Vous le voyez bien ici. J'ai besoin de 2 gagnants. Oui, j'ai besoin de 2 gagnants, donc je vais choisir 2 gagnants. On va mettre ça sur une petite roue, ouais, on va mettre ça sur une belle petite roue comme ça. Donc, t'as pas un bruit de roue là-dessus? Non, j'ai pas. Non, mais vous voyez, les belles roues avec les couleurs. Martin, il OK, donc, je sais pas comment ça. Avec la roue, ça fonctionne pour 2 gagnants. On peut-tu mettre ça? Ah oui, gars, on peut mettre ça. Hey, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ben oui, c'est Vas-y. Nouveau, ça. C'est tourne la roue. OK, on tourne la roue. D'accord. Je sais pas s'il va m'en mettre 2 d'un coup ou un après l'autre. Donc, le premier, Pierre Girard. Pierre Girard, c'est notre premier gagnant pour un code numérique de Transformers, le réveil des bêtes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne pouvais pas le faire avant qu'OBS, mais là, merveilleux, hein? C'est beau ça. Et on fait un deuxième. Attends un peu, on va mettre la musique même là-dessus. Là, Amélia. Petit capiton en même temps. Donc, Pierre Girard et Amélia Pomerleau, vous êtes nos 2 gagnants. La seule chose que vous avez à faire, et la foule est en délire, les dit en délire! Bon, Pierre et Amélia. Amélia, excusez-moi. Amélia, merci Isa. Je pense que tu es là. Je sais. Qui est en vacances. M'écrire. Denis et la lumière. Cinemaniacs.net afin que je puisse vous envoyer votre code numérique pour Transformers. Donc ça, c'est fait, merveilleux. Martin, oui. Merci d'avoir participé. C'est super cool que tu aies embarqué dans le show. Amélia écrit oui. Améliane, mon nom. Ah, mais merci. Excuse-moi. Ça peut, je dois faire. Ah, ben oui, t'es écrit Amélia, c'est Améliane. Excuse-moi, Améliane. Écoute, Améliane, juste à m'écrire, ou juste au-dessus du commentaire là, Facebook, tu vois, j'ai écrit Denis la Lumière, commercial,
cinemanex.net, tu m'écris un courriel comme quoi tu as gagné, puis moi, je vais t'envoyer le code numérique dans quelques instants. Tu vas pouvoir écouter le film dans quelques minutes si ça te tente. Et puis, si ils sont en vacances en plus, ils peuvent écouter toute la semaine, chaque jour. Ouais. Ah, Martin, ça va bien, toi, pour ça? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il s'amuse avec une flashlight? J'ai pas d'éclairage, je viens de me rendre compte. Là, c'est correct, c'est correct. Ça cache les défauts. Ouais, la barbe pas rasée pendant les vacances. Là, puis... C'est correct, tu profites de ton congé. Martin, est-ce que je peux compter sur toi pour peut-être revenir dimanche prochain? Oui. On peut s'arranger. Chaque semaine, Martin va nous parler du nouvel épisode de Sex in the City. On va avoir une méchante lignée. On suit la série avec Martin. On va te faire un intro. Tout cette semaine, Sex in the City, vu par Martin. Une petite animation, tu sais, comme il y a dans le Late Show with David Letterman, là, de le coup de main. On va faire une animation comme dans Denali, ça serait parfait. Ouais, de coup. Mimi a dit, j'ai bien ri ce soir. Merci et bonne soirée. Ben, merci beaucoup, Mimi. Merci. Puis, oui. Martin? Tu pensais pas que je parlerais de Sex and the City, tu pensais plutôt non, que je parlerais du nouveau épisode de Strange New World avec Lower Deck. Ben, écoute, c'est quoi donc? Je l'ai dit, je suis très impatient. C'est Ben qui a parlé aussi de Strange New World. Il dit un excellent gars, je vais te le mettre ici dans les commentaires. Tu vas voir, gars. Ben, il dit d'ailleurs, Strange New World, un excellent épisode qui éduque sur le PTSD. Ah oui. Tu dois savoir de quoi il parle? Le post-traumatic syndrome. Oui, non, dans le sens. Oui, ça, je comprends l'acronyme, mais il y a un épisode qui parle de ça. Toi, est-ce que tu l'as vu? Je l'ai probablement vu, là, mais là, je suis comme en mode vacances. Là, ma mémoire. Okay. Ouais, on n'a pas en tête, on n'a pas en tête avec Blanche. C'est pour ça, Star Trek en vacances, c'est trop compliqué. Il est pas dans Sex and the City. Ah ouais, Agathe, c'est là. Super léger. C'est des épisodes de 15 minutes. Ça se passe. Moi, il faudrait que je te fasse écouter ça. 4-5 jours de. Hein? De Stéphane Iri dans le salon! Moi, je vais voir Denis écouter ça. T'en apprendrais peut-être. Je te promets de quoi? Oui. Ça risque pas d'arriver. OK. Tu peux te l'imposer, tu sais. Non. Plein non, de façons non. de t'imposer des choses. Non, faut pas ça, s'il te plaît. Il va probablement Martin. Avoir Just Like That, the movie. Là. Sacrifice. Si tu l'écoutes, là, tu vas juste encore plus apprécier. Ils vont peut-être faire autant d'argent que Barbie, tu sais. Ah, gars, c'est... Moi, je capote sur la série à date. C'est il y a plein de choses de. Tu sais, c'est Sex and the City. Oui. Ça parle de New York, mais New York des années 90. Puis à un moment donné, un épisode dans le background, t'as Donald Trump, mais tu sais, avant Your Fire, avant tout, là, c'était juste un business tycoon dans le temps. Là. Puis il parle de lui. Comme ça serait un potentiel pour un des personnages, puis finalement, non, il est trop vieux. OK. Fait qu'il y a plein de petits clins d'œil de même à la culture populaire. J'avoue que moi, ça. Vraiment, c'est comme quand j'ai reçu la... Et pourtant, c'est américain, il était dépassé. Écoute, je vais faire une... Un coming out. J'ai plus écouté d'épisodes de Melrose Place que ça. Parce que Melrose Place, j'étais plus jeune, puis... Les filles étaient cute. C'est ça. Fait qu'on pourrait se faire une soirée, Martin et moi. On parle de Sex and the City, puis Melrose Place. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Ben oui. En fait, là, je devrais faire une couple d'épisodes de... Encore cette semaine, là, d'écouter ça. Là. Puis en même temps, il y a sur Apple TV, Foundation a recommencé. Là. Ouais, c'est saison 2. C'est épisodes hein. extraordinaires, mais c'est comme faut tellement que. Faudrait qu'on se prenne des notes, savoir, OK, lui, c'est tel personnage, il vient de telle année, telle époque. Lui, c'est 128 ans plus tard. Lui, c'est on rentre dans les épisodes avec autant de questions qu'on en sort, mais c'est du bonbon. Moi, je me rappelle que. Une personne que j'ai connue quelques années de ça, dans ma vie antérieure, si je dis Marco, c'est de qui je parle, Steph. Marco était tripeux, il rêvait un jour de voir Foundation adapté au cinéma. Visuellement, ça va être écœurant. Oui, c'est très, très, très bien. Puis en 4K, là, c'est le détail. Il y a quasiment le budget d'un film dans chaque épisode en effet visuel. Là. Puis des fois, c'est juste comme. Il y a un moment donné, tu vois une ville, puis un vaisseau qui décolle de la ville, mais c'est
c'est comme, gars, c'est un one-shot, puis ils ne serviront plus jamais de cette ville-là parce qu'elle n'est plus dans l'histoire. Mais il y a du détail, là, des tours, du monde qui marche partout, de la population, puis c'est pas pour un one-shot, ça a pris quoi, des mois à coder ça, l'animation de ça, là? Ben, prends ton temps, parce qu'avec la grève, on risque de manquer de choses à regarder dans pas long. Non, ça, c'est pas vrai. Ah, il y a Sex and the City qu'on peut toujours regarder. Je peux t'en faire plein de séries à regarder. Là. OK. Martin, on va arrêter là-dessus. On est rendu à 20h. Le deal que j'ai avec Madame Cinémaniac, c'est qu'on fait une heure de show en direct, puis après ça, je dois fermer boutique. Donc, merci beaucoup, Martin. C'est super cool que tu aies paru. C'est une belle surprise. Toujours le fun de jouer avec toi de quoi que ce soit, autre même que Star Trek. Et puis, écoute, on s'en parle dans pas long, Martin. Parfait. Merci beaucoup. Bon, moi, je veux juste conclure en vous disant merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre, que ce soit en regardant le show de Cinémaniacs en direct, épisode du 30 juillet 2023. Merci beaucoup à ma régisseuse Isabelle. Merci à toi. Merci beaucoup à mon collaborateur aussi, Stéphane. Bon, et puis tout le monde, je vous donne encore une invitation pour la semaine prochaine. Comme je disais à plusieurs reprises, on a d'autres concours. Et puis, on va être en direct que la semaine prochaine en français et peut-être même en anglais, on va voir ça. C'est juste qu'on manque un peu de temps pour faire les deux. Et puis, merci beaucoup à Ben, Benoît Vincent Roch. Fais attention à toi. Prends rétablissement, puis en espérant que tu puisses communiquer et être des nôtres très bientôt. Et aussi, merci beaucoup à Justin d'avoir essayé même de se mettre sur la corde à linge à l'extérieur pour pogner le Wi-Fi. Malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres. Merci beaucoup, Justin. Et puis, on se reparle très bientôt. Merci. Bye-bye.